Amène-moi cet homme-là. Laisse passer cet homme-là. Ce témoignage-là est puissant. Vous avez entendu ça. Vous allez entendre ça maintenant même. Vous allez entendre les merveilles de Dieu. Cet homme était venu ici il y a quelques mois. This man came few months ago. Il y a quelques mois passés. Few months ago. Jésus, quelqu'un dit Jésus. Somebody say Jesus. Viens frère. Come. Il était venu avec toi. He came with Viens. You. Regarde la caméra là-bas. Qu'est-ce que Jésus a fait? What Jesus done? I wanted to thank you. I came here for 2 months ago with a bunch of tumors in the liver, and now they have no further grown. They still. So I'm gesund wieder. Il était venu ici il y a 2 mois passés, tout le monde, yeah? But they do not grow since I was here. Il vient ici, c'est toi qui étais venu avec. C'est mon frère, c'est mon grand frère. It on dit en Allemagne, il était venu ici parce qu'il avait le cancer. Il avait le cancer. Il a eu le cancer deux fois. Donc, à l'hôpital, on lui a dit qu'il va mourir. On lui a donné la carte d'identité des morts dans 2 mois. Et moi, j'étais à l'hôpital avec lui. Et il ne mangeait plus, il était en train, il ne pouvait même plus se mettre debout. Et c'est comme ça qu'on lui a dit qu'il doit partir à la maison, il va aller attendre la mort. Et moi, je suis venue, j'ai dit non. On va donner la chance d'aller à Lille parce que je sais que mon père là-bas, il va aider quelque chose. Et je lui ai amené ici, il marchait vraiment à peine. Et papa a posé la main sur lui. Après, je lui ai dit, parce qu'il parle pas bien, il parle pas du tout français, je lui ai dit, il faut croire. Après, il a cru. Et lorsqu'il est parti à la maison, le lendemain, je lui ai donné 2 jours. Et le troisième jour, je l'ai appelé. Ça vous était sorti, il commençait à manger, tout ça. Et les douleurs, tout s'était déjà fini. Et cela fait depuis un bout de temps que le médecin avait dit qu'il va mourir. Et papa avait dit non, moi je décide que tu ne vas pas mourir. Et maintenant il est debout, il marche, il mange bien. She would tell him that she knew that he won't die. And now he's good, he can walk. Le médecin l'ont rendu, ils l'ont renvoyé à la maison. Send him back to home. Afin qu'il meure, so on lui a donné un certificat de décès alors que l'homme est encore vivant. The man is still alive. Et maintenant, ça fait 2 mois depuis qu'on a prié pour lui. Il ne se tenait pas comme ça. Mais regarde, like depuis this, qu'il est là, il nous a parlé, il est debout. Il est en pleine forme. Mon Dieu te rajoute encore les années. Amen. And God bless you few years before. Il a compris. Que tu vieillisses encore davantage et davantage et davantage. Get older and older. Au nom de Jesus name. Seigneur, merci. Thank you, Cet homme est le témoignage de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Of the resurrection of Jesus. Que la médecine soit confondue. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus. Amen. Tu ne mourras plus, tu vivras longtemps encore. You won't die, you will live. Alléluia. Que Dieu te bénisse. May God bless you. Bitation. I surrender all. I surrender. Oh, écoute un peu ce que ce frère dit. Moi, ça me dépasse. Oh, calmez-vous un peu. Il y a encore un autre témoignage. Papa Norbert, viens. Où est Papa Norbert? Il est où? Sa femme, viens. Maman Jackie. Vous connaissez? Oh, Jesus Christ. Ça fait combien? C'est vrai. Parlez-vous. C'est vrai. Et donc, c'est une édification pour mon frère Makanzo. Édification, je suis prof de mathématiques, physique, chimie.
et donc, prof de mathématiques, physique et chimie. Au collège, ce n'est pas un témoignage, mais une édification pour mon frère Makanzo. Et là, je le fais ceci en tant que mon frère. Pour moi, il est tout sur un tout dans un tout. Hey! Jesus Christ! Wow! Il est tout sur un tout dans un tout. Il est tout sur un tout et dans un tout. Jesus! Donc lui, il vient même de nous donner la signification de notre logo. Seigneur, bénis cet homme. J'ai toujours dit, nous avons besoin des hommes comme ça dans le royaume de notre Père. Ce n'est pas pour rien Dieu est allé prendre l'apôtre Paul, quelqu'un qui avait la connaissance élevée. Et c'est pourquoi il a beaucoup écrit plus que les pierres. Le Seigneur va l'utiliser. Seigneur, utilise ton fils au nom de Jésus-Christ. Que la paix vienne dans son cœur. La paix dans sa maison. Beaucoup de gens l'ont mal compris. Mais Dieu va confondre plusieurs personnes. Alléluia. Je confonds. Et les parents aussi, je confonds. Alléluia. Acclamons le Seigneur. J'ai reçu cette édification-là. C'est merveilleux.